Déjà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bienvenue chez MyLumen. Il est 18h à Yaoundé, Yannick et moi nous sommes à Yaoundé, nous sommes en mission Afrique et c'est un plaisir de bien redémarrer les lives aujourd'hui. Bonsoir à Jules Abena qui est déjà en poste. Bonne année Jules, j'espère que tout va bien. Comment vous allez? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes bien positionné? Donc, on est très heureux de vous retrouver. Bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, tout le monde, et de te retrouver aussi, Laurence, à ce vendredi traditionnel, je vais dire ça comme ça. OK. Alors, allez, dites-moi bonsoir. Comment vous allez? Bonne année à tout le monde. On reprend les lives aujourd'hui. On a beaucoup de surprises pour vous cette année. Vous avez pu voir pour certains la vidéo au début de toutes les thématiques qui seront abordées. On vous prépare encore plein de surprises. On travaille vraiment à l'éducation et la prévention en santé mentale et on a hâte, voilà, de vos retours, de votre rétroaction et on a hâte de votre participation aussi. Donc, alors, Jules nous a dit bonsoir. J'ai repris, hein. Bonsoir Bonsoir, Jules, comment ça bonsoir. va? Bonsoir Marcel Marcel. Abanda est là, bonsoir. Il y en a qui sont bien muets aujourd'hui, hein, qui sont timides. Ouais. Et pourtant, on sait que vous êtes là. Donc, juste un petit Voilà. bonsoir, ça nous fait du bien. Oui, après la bonne année, une petite bonne année aussi, hein. Ah ben voilà, donc bonsoir Agathe. Bonsoir Agathe, bonne Bonne année Agathe. année, bonne année. Alors, Merci. l'année 2021 commence un peu dur, hein, confinement, couvre-feu, et nous on a choisi de débuter l'année en désirant parler d'investissement en fait. Comment on va faire pour passer au travers de tous les défis qui sont en face de nous et de vraiment garder des objectifs, garder la joie de vivre et surtout prendre soin de sa santé mentale. Bonsoir Myriam aussi. Bonne Bonsoir année, Myriam. bienvenue parmi nous. Ouais. Moi j'ai envie de commencer. En fait, Laurence, tu disais que l'année a commencé un peu difficilement et tout ça. Bah, disons que c'est la poursuite de 2020. Mais le mot qui me vient en tête, là, qui est dans mon cœur très fort, bah, certainement vous l'avez déjà entendu, c'est le mot résilience. Et la résilience, bah, c'est quoi? C'est la capacité à ressortir beaucoup plus fort des difficultés qu'on traverse. Donc, c'est de traverser quelque chose et de ressortir beaucoup plus fort de ça. Alors, c'est vraiment ça que je nous souhaite tous cette année, que ce soit une année où on va développer, on va chercher des capacités au-delà de ce que nous pensions que nous pouvons avoir pour vraiment nous développer, devenir, comme on le dit à Lumen, des lumières pour nous-mêmes, pour notre entourage. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis vraiment très, très, très content de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, c'est, je sais pas, là, j'ai du mal à arrêter de sourire, mais bon, c'est normal. Ok. Alors, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous ceux qui sont du côté du Canada, de Montréal. Nous sommes en mission au Cameroun. Donc, ici, il est 18h. La nuit tombe. Il fait très, très chaud. Mais Voilà. voilà, ça se passe très, très bien. On est vraiment aussi venu toucher la réalité de la santé mentale au Cameroun. Nous avons commencé le projet Jeunes Résilients avec le centre MAHUBER, qui est vraiment la branche sociale de la clinique MyLumen. Tout se passe à merveille. On est vraiment contents. Ouais. Et donc, voilà, on est entre les deux. On a le cœur et à, le cœur est à Montréal, hein, le corps est ici, mais voilà, c'est une seule et même équipe. Tu es d'accord avec moi? Totalement, totalement. Donc, c'est une mission qui me tenait à cœur de toute façon depuis 2018. On avait planifié de le faire. Malheureusement, bon, voilà, la pandémie nous a freinés un peu, mais finalement, on a eu l'occasion de pouvoir le faire et puis on vous en parlera certainement. C'est quelque chose de passionnant dans des conditions autres. Hein, d'ailleurs, vous voyez qu'en termes de luminosité, on n'est pas dans les mêmes conditions et tout ça, mais c'est bon, c'est bon. On s'adapte. Alors, Voilà. bonsoir Yves, bienvenue, bonne année, j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, Yannick, on parle d'investissement, hein, investir sur soi pour l'année 2021. Ça veut dire quoi, investir sur soi?
Bah, je pense que pour tout le monde, c'est quand même un mot qui est assez courant, hein. Donc, on parle d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dépenser quelque chose, dépenser de l'argent, dépenser des efforts donc, pour pouvoir gagner quelque chose après. Donc, c'est vraiment ça. L'analogie qu'on prend souvent, c'est l'analogie de l'agricole, c'est-à-dire semer. Donc, je sème en espérant que ce que je sème va pousser, grandir, devenir très solide et puis pouvoir avoir une récolte de quelque chose plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Investir en soi, c'est prendre le temps de planter quelque chose en nous-mêmes, de travailler quelque chose en nous-mêmes, quelque chose qui va vraiment grandir et dont on va pouvoir récolter les fruits. Et en préparant ce live, d'ailleurs, je pensais au cabinet, donc à My Lumen. Et je me rappelle comment comment on a commencé, hein, très 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 modestement. Et puis au fur et à mesure, bah, quand on veut que ça grandisse, bah, il faut s'abonner sur tel logiciel, il faut acheter StreamYard, il faut créer un site internet. Bon. Mais là, l'entreprise n'a pas de fonds. Là, c'est ça aussi le truc, c'est que oui, je veux bien investir, mais j'ai pas d'argent pour investir. Mais il faut trouver cet argent. Alors, c'est drôle parce que Martial, qui travaille avec nous au niveau du soutien technique, il disait souvent, quand je me mettais à pleurer, je disais, mais encore une facture que tu m'apportes, il me disait, mais c'est un investissement, c'est un investissement. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Alors, investissement? c'est vrai que lui, pour lui, c'était normal, en fait. Il faut payer Oui. les factures Zoom, il faut payer les Oui. factures StreamYard, il faut payer les Voilà. factures Vimeo. Pour lui, c'était Voilà. comme, c'est normal. C'est normal, c'est un investissement, mais effectivement, investir, il y a des choses pour lesquelles nous sommes préparés à investir. Donc, je pense par exemple aux parents qui investissent sur l'avenir de leurs enfants. Certains commencent à épargner dans différents comptes, différentes solutions d'épargne pour que quand les enfants arrivent à l'université, ils puissent aller à l'université. Mais il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas habitués à investir. Nous ne savons pas qu'il faut investir dessus. Et donc, on n'est pas prêt quand ça arrive des fois. Donc, ou alors, on avait prévu un certain truc, mais là, ça va au-delà. Et là, ça devient une dépense. C'est comme si on doit creuser quelque chose, enfin, où on n'a pas. On va parler tout à l'heure, hein, de qu'est-ce qu'il faut investir, mais on parle d'argent pour parler de temps. Donc, comment trouver une ressource peut-être qui est limitée, mais parce que je veux aller à une autre étape, je veux pouvoir faire grandir quelque chose en moi, mais ça me prend cette ressource-là. Donc, pour moi, c'est un peu ça, investir. Donc, voilà. En Alors, toi. ce que tu as dit est très clair aussi, hein. C'est clair que quand l'année commence, on a des plans, on a des objectifs, peut-être une nouvelle voiture, peut-être cette année, c'est l'année où on achète la maison, c'est l'année où on met plus l'argent de côté pour les enfants, c'est l'année où, je sais pas, on achète un nouvel appareil. Mais une fois qu'on arrive à investir sur soi, on peut se poser la question de, bah, tout ce que j'achète, c'est déjà pour moi. Mais la question maintenant, c'est pourquoi investir sur soi? Bah, je poserai un peu la Qu'on question. aimerait. Ouais. Moi, je serais tenté de poser la question à ceux qui sont là. Premièrement, pour vous, en fait, ce serait quoi investir sur vous, premièrement. Et puis, effectivement, ce serait pourquoi investir? Pourquoi investir sur nous-mêmes? Et là, je te rejoins complètement, Laurence, en disant que bah, si je paye mes études, je suis déjà en train d'investir sur moi. Si je paye, je sais pas, je poursuis une carrière professionnelle et donc je vais prendre des certifications à gauche et à droite, je suis déjà en train d'investir sur moi. Si je vais acheter une maison, effectivement, et que j'ai pas, je suis déjà en train d'investir. Donc, c'est quoi? De quel type d'investissement est-ce qu'on parle aujourd'hui, effectivement? Donc, ce serait très, très intéressant. Alors, Moi, en attendant, on a Yves, on a Myriam, on a Agathe, on a Marcel, on a Jules. Donc, la question, c'est ça. C'est quoi pour vous investir sur soi-même? Et c'est quoi pour vous pourquoi investir sur soi-même? Donc, voilà, on attend votre retour. ouais. Un petit. Investir sur soi-même. Ouais. De Investir quoi il sur parle soi. en fait? Qu'est-ce que ça Pourquoi? veut dire pour vous investir sur soi-même? C'est vrai que pour moi, investir sur moi-même, c'est faire les plans qu'on a toujours fait. À chaque début d'année, on apprend plein Ouais. de. Moi, j'ai toujours plein de lignes là. À la fin de l'année, il faut que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais des fois, en décembre, c'est chaud, hein? Quand on regarde. Déjà en décembre, si tu arrives à te rappeler c'était quoi tes objectifs de janvier, tu es déjà très très forte. Moi, ça fait longtemps que j'arrive. Moi, je Ah, les ok, bon, c'est écris, bon. donc je les Ça, ai. c'est Mais bon. souvent, Moi, en décembre, c'est chaud. j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté de faire
des nouvelles résolutions, là, comme on en faisait. J'en faisais pendant plusieurs années, puis j'ai arrêté. Et ma seule résolution depuis plusieurs années est de grandir, et de grandir mm-hmm. personnellement. Et là, je vais pouvoir dire pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'investir en soi. Là, je vais vraiment aller, je vais parler de mon cas personnel. En fait, je me suis rendu compte de ceci. Je me suis rendu compte que il y a pas mal de choses que nous faisons et que je fais. Et des fois, j'ai tendance à oublier pour qui je le fais. J'ai tendance à oublier qui le fait et j'ai tendance à oublier pour qui je le fais. Et pour moi, c'est vraiment la question d'investissement là. Donc, quand je reviens sur qui le fait, donc, par exemple, je parlais tout à l'heure d'investir au niveau de professionnel. Donc, je suis en train de déposer là ma thèse pour le doctorat. Donc, voilà, il y a différents projets que j'ai décidé de mettre en place et qui me prennent de l'énergie, qui me prennent du temps. Mais la personne qui est derrière ces projets, bah, c'est moi. Et quand je dis c'est moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, un des projets justement qu'on est en train de mener là, c'est Lumen. Bah, qui va piloter Lumen? C'est moi. Alors, le moi qui est derrière Lumen, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à pouvoir discuter avec les personnes? Est-ce qu'il est prêt à pouvoir mettre des limites dans, à dire non ici quand il faut dire non, à dire oui quand il faut dire oui? Est-ce qu'il est prêt à pouvoir prendre des risques quand il faut prendre des risques? Est-ce qu'il est prêt à pouvoir, lorsqu'il y a des conflits, à pouvoir gérer ces conflits? Donc, finalement, même si je mets des moyens financiers, reste que la personne qui est derrière tous ces projets, c'est moi en tant que personne. Et donc, c'est moi qui suis la ressource principale. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de ressources humaines, hein. C'est moi qui suis la ressource principale de la réussite de tous les projets que je vais mener, indépendamment des moyens que je peux avoir. Sinon, je peux juste bousiller les moyens et puis je peux embaucher même les personnes les plus talentueuses. Mais si moi, je ne suis pas bien équipé, bien préparé, bah, ça va, les projets ne vont pas nécessairement réussir. Donc, pour moi, c'est la première des choses. C'est vraiment la question de qui est derrière la chaise d'investisseur. Donc, pour tous les projets. Et la deuxième chose que je vais aborder, c'est pour qui. Et là, c'est encore quelque chose que je vois. Je me dis, OK, je veux développer une entreprise, je veux faire de l'argent. Disons ça comme ça, je veux faire de l'argent. Je veux pouvoir avoir une maison et je ne sais pour qui. Alors, quand je me rends compte que ce que je fais est au détriment de ma personne, et là, je commence à me poser des questions, en fait. Donc, finalement, pour qui je travaille? Donc, si ça n'augmente pas mon bien-être, je ne vais pas juste dire matériel, mais mon bien-être, mon épanouissement personnel et celui de mon entourage, alors je commence à me poser la question sur le pourquoi j'investis. Donc, et là, on n'est pas dans une question de finance, on est vraiment dans une question de sens. Et on aime beaucoup parler de sens à Lumen. Donc, c'est comme ça en fait que je vois les deux choses. Donc, pour qui et qui investit? OK. Alors, il y a Marcel qui dit « Investir sur soi-même, c'est penser à se fixer des objectifs et être heureux. » Et puis, Jules qui dit « Investir sur soi peut revêtir plusieurs volets financiers, matériels et psychologiques. » Alors, avec ce que tu ajoutes, c'est correct ce qu'ils disent, mais il y a cette dimension de la personne, en fait. Qui investit financièrement? Qui investit matériellement? Et qui investit psychologiquement? Dans ce que tu as dit, ce que j'entends vraiment, c'est que la personne qui est derrière tous ces projets a besoin de prendre soin de lui. Parce que si la personne s'épuise, eh ben les projets s'épuisent. Complètement, complètement. Je prends souvent l'exemple, souvent je travaille avec des parents ou même avec des couples et qui se donnent beaucoup, qui se donnent très fort, surtout au niveau professionnel. Donc ça, c'est on est habitué, on a été entraîné à investir sur nous au niveau professionnel. Donc on est comme entraîné à essayer de gagner de l'argent et puis de bien gagner notre vie. Dès le départ, hein, donc quand on nous met à l'école, on nous dit oui pour l'éducation, mais surtout on nous dit souvent, tu te rends compte quand tu dois choisir ta filière, on te dit choisis bien quelque chose qui va te permettre de bien gagner ta vie. Donc on a toujours ça en arrière-fond. Et donc du coup, j'ai des parents, des couples qui travaillent beaucoup pour pouvoir assurer un certain confort et à eux-mêmes personnellement et puis aux enfants, mais souvent au détriment de certaines choses de la famille. Par exemple, les parents qui ne sont plus présents, qui sont peu présents, qui sont moins présents qu'ils ne devraient l'être par rapport aux besoins de l'enfant. Et finalement, lorsqu'ils se retrouvent devant moi, je leur dis souvent, mais pour qui est-ce que vous faites tout ça? Et souvent, c'est comme un moment de conscience. Ils prennent conscience en fait que, en fait, c'est vrai. Si je gagne 200 000 dollars, mais pour qui est-ce que je gagne cet argent? C'est pour mes enfants. Mais si finalement mon enfant est décrocheur et qu'il ne va pas à l'école comme j'aurais espéré qu'il aille, finalement, tout ce que j'ai accumulé pour ses études universitaires, ça ne va jamais servir. C'est pour le bien-être de ma famille, mais je me rends compte que j'ai des tensions dans mon couple, avec ma femme, ça ne fonctionne pas, s'il y a des tiraillements et tout ça. Finalement, pour qui est-ce que j'ai investi tout ça?
Donc, plusieurs parents, là, quand ils se trouvent, et ça, c'est souvent, ça m'arrive souvent avec des parents qui se séparent, il y a cette question existentielle, pour qui est-ce que j'ai fait tout ça? Donc, d'où l'importance de revenir à la base, c'est de dire, je me suis oublié, j'ai oublié l'essentiel. Et c'est pour moi, là, l'investissement essentiel, c'est de dire, pour qui est-ce que nous nous démenons comme des pauvres diables, si je prends l'expression, de façon à pouvoir investir d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faille pas investir ailleurs, mais s'assurer que l'investissement premier est sécurisé. Celui qui est de notre personne et des personnes qui nous entourent, de ce que nous voulons construire dans le sens vraiment profond du terme. Donc, Alors, pour qui est-ce que j'achète une maison? Pour qui est-ce que je paye les diplômes? On peut se poser toutes ces questions pour vraiment revenir à la question de sens, en fait. Complètement, complètement. Donc, moi, je suis curieux d'entendre les autres personnes. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. L'essentiel, c'est de dire, c'est d'investir au bon endroit. Et le bon endroit commence par soi-même. Il y a un dicton qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui va vivre dans une maison? C'est moi. Donc, et si je suis dans une maison, on voit des maisons souvent qui sont hyper riches, là, des Santa Barbara, des maisons blanches, mais à l'intérieur, c'est de la misère humaine. Donc, on peut avoir un très, très bon travail à l'intérieur, c'est de la misère humaine. Donc, voilà, on peut avoir un très bon réseau social, mais à l'intérieur, c'est aussi de la misère. Donc, c'est comment réussir à ce que tous ces efforts que je mets puissent réellement servir à l'épanouissement de ma personne, de mon entourage, de ma famille, et que ce soit vraiment l'essence de tout ce que je suis en train de faire. Et là, on parle souvent de sens de la vie ou de sens de cohérence. Donc, voilà. Alors, je vous repose la question, qui investit pour cette année 2021? Qui investit? Et surtout, vous investissez pour qui? Ça, c'est vraiment déjà les deux questions à se poser. Pour qui on investit et qui investit? Donc, voilà, ça c'est un travail, c'est un travail qu'on fait personnellement, qu'on fait sur soi. Si vous avez envie de nous partager, n'hésitez pas. Yves Essono, c'est peut-être se donner les moyens de s'accomplir de manière équilibrée tout au long de l'année avec absence d'obligation de réussite. Ça, c'est dur, absence d'obligation de réussite, c'est dur. mais j'aime. J'aime, c'est un travail sur soi, mais c'est difficile d'arriver justement à cette espèce de liberté intérieure, de dire, et c'est peut-être même de redéfinir la réussite, la notion de réussite. C'est quoi effectivement la notion de réussite? Donc, mais j'aime effectivement cette définition. Ouais. Et ça me rappelle... Pardon, vas-y, Laurence. Non, vas-y. Oui, c'est ça. Ça va peut-être me permettre justement, parce que je profite là du fait que Yves et Sono disent que c'est une question équilibrée. Et donc, quand on parle d'équilibre, je vais revenir vraiment sur les piliers du développement humain, donc du développement normal. Quand on parle de développement normal, donc une personne, comment est-ce qu'elle se développe? Alors, je suis vraiment dans le domaine de la psychologie là, pure. Au niveau scientifique, quand on parle du développement humain, on parle de quatre choses. Il y a comme quatre piliers. Donc, j'appelle ça les quatre pieds de la chaise. Donc, le premier, effectivement, c'est le corps. Donc, qu'est-ce que je fais pour développer mon corps, pour investir dans mon corps? Bon, ça, généralement, on est bon. Et là, je vais lancer un petit pic aux femmes, donc qui savent très, très bien souvent prendre soin de leur corps. Il n'y a qu'à voir Laurence, pour comprendre. Donc, il y a le corps. Je fais beaucoup de vélo, je cours beaucoup, je marche aussi beaucoup, Voilà, et ça contribue, c'est pas des choses séparées, ça contribue à la santé psychologique même, même à la santé financière, même au travail. Donc ça, c'est la première des choses, le corps. La deuxième des choses, c'est la tête, donc ma tête. Et quand on parle de tête, on parle de, sur le mot technique là, c'est cognitif ou bien intellectuel et tout. Donc voilà, mais on parle de la tête. Donc bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans mon cœur, donc ça c'est le côté affectif, et bien dans mes relations, ça c'est le côté relationnel effectivement. Donc ce sont les quatre dimensions du développement humain, du développement psychologique. Donc, le corps, le cognitif, l'affectif et le social. Donc, ma tête, mon corps, mon cœur et mes relations. Donc, et là, l'équilibre, en fait, se trouve au niveau de réussir à ce que chaque pied de la chaise pousse un peu de façon égale. Donc, des fois, on va voir qu'au niveau intellectuel ou au niveau professionnel, si vous voulez, c'est très, très fort. Donc, le pied est très long, mais au niveau affectif, le pied est très court. Donc là, on a une chaise qui est un peu comme ça. Donc voilà. En tout cas, bref, ça me faisait penser à ça, cette notion d'équilibre dans les quatre dimensions de la personne. Et on pourrait même rajouter la dimension spirituelle, évidemment.
Ok, alors bonsoir Adélaïde et puis merci pour ton commentaire, bonne année, bienvenue, c'est la reprise des lives et on est très très content de te retrouver aujourd'hui. Oui, donc, Adélaïde, alors... qu'on a eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps, donc on était très content de retrouver aussi ceux qui nous suivent du Cameroun et de faire des photos, de les voir, en tout cas bref, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre collaboration. Donc, Yannick, tu parles des quatre piliers, les quatre pieds de la chaise. C'est une image qui est vraiment très, très intéressante parce que en relation, on le voit souvent. Des fois, on veut investir en relation, mais ça marche pas. Et puis, moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui, je mets beaucoup ma tête dans les études. Donc, j'ai beaucoup été en mode mes articles scientifiques, tu vois. T'es que ça, tu fais que ça. Et puis la nuit tombe, t'es que sur ton ordinateur. Et là, je pense qu'à l'intérieur, tu sens que ça va pas. Parce que voilà, des fois, ça m'arrive d'annuler mes rendez-vous parce que il faut que j'envoie tel travail, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais c'est toujours sur le plan cognitif. Mais moi, si je dois prendre ma table n'est pas équilibrée. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de travail pour cette année. Alors, c'est quel pied que tu vas travailler cette année? Dans quel pied tu vas investir? Ça, c'est très intéressant. Les trois. Le pied qui est vraiment bien assis chez moi, c'est le pied cognitif. Mais là, j'ai vraiment le pied relation, affectivité. Ah, non. Alors, c'est corps, physique. Et puis cognitif. Chez moi, c'est les deux là, c'est réglé. Ça, c'est bon. La tête et le corps sont réglés. Là maintenant, il faut aller travailler le cœur et les relations. C'est ça. Très bien. Ouais. Alors bonsoir Emmanuel, tu n'es pas en retard. Donc merci d'être là, bienvenue, bonne année. Donc Emmanuel, on est en train de parler d'investir sur soi et pour tous ceux qui nous retrouvent, on parle d'investissement sur soi. Donc les premières questions qu'on s'est dit, c'est qui investit et pour qui on investit. Donc qui investit, c'est de dire que on doit prendre soin de ce qui, parce que si ce qui finalement a des problèmes et dont tous les objectifs dont il ne pourra plus les réaliser. Et donc, on a aussi parlé de pour qui on investit, hein. C'est souvent de revenir à pour qui est-ce que je fais ça. Est-ce que ceux pour qui je fais ça sont au courant? Donc là, on va vraiment parler de l'équilibre. L'équilibre, donc du coup, au niveau cognitif, au niveau de l'affectivité du cœur, au niveau du cœur, du corps et au niveau des relations. Donc, on va voir certaines personnes, des fois, qui vont travailler beaucoup plus et qui vont délaisser les autres côtés de ce que Yannick appelle les pieds de la table, en fait. Ça fait qu'on n'a pas une table équilibrée, voilà. Donc, pour tous ceux qui sont là, quand on parle d'équilibre, comment vous voyez votre table? Moi, j'ai déjà fait mon exercice. Vous, comment vous voyez votre table? Est-ce qu'elle est plutôt équilibrée? Ou sur quel pied vous allez travailler cette année? Ouais. Alors, Adélaïde, je ne suis pas sur une chaise en équilibre. Très bien, Adélaïde. Ça, c'est la première étape. Il faut voir. Donc, sur quel pied tu vas travailler, Adélaïde, cette année pour que ta chaise soit équilibrée? Ouais. Yannick, j'ai envie de te poser la question aussi. Ta chaise. Alors, ma chaise, pour que ma chaise soit équilibrée, sur quoi je vais travailler? Je pense que cette année, je vais particulièrement travailler au niveau du cœur. Je pense que je vais vraiment travailler ça au niveau de la relation affective, au niveau de la relation amoureuse, parce que c'est là où j'ai envie d'investir. Donc, généralement, j'essaie quand même de garder le tout équilibré. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, là, bon, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois sur mon doctorat. Alors, je pense que ma chérie se sent un peu délaissée. Alors, je vais investir là-dedans. Je vais investir là. Pour moi, c'est le pied qui doit retrouver un peu les autres, comme c'est ce que je pense cette année. Donc voilà. Alors je pense qu'elle a pris note là. On va faire le bilan à la fin de l'année. Bonsoir André, bonne année. Comment tu vas André? On a parlé de l'équilibre sur les points cognitifs, affectifs, corporels et relationnels. Est-ce que ta table est équilibrée? Ouais. Sinon, quels sont les pieds? La chaise ou la table? La chaise. La table, dépendant. J'aime le mot, j'aime plus la chaise parce qu'on s'assied dessus. Alors, quand on est sur une chaise qui n'a pas trois, quatre pieds égaux, on est instable là. Donc, on bouge comme ça, on va par là, on risque de tomber. Donc, pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment de dire, votre corps,
vous en êtes où par rapport à votre corps? Vous en êtes où par rapport à votre cœur? Vous en êtes où par rapport à votre tête? Donc, tête, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du développement intellectuel et tout ça. Et puis, vous en êtes où par rapport à vos relations, donc la maison dans laquelle vous… Donc, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça, les quatre pieds. Et je n'invente rien, c'est vraiment les quatre sphères, les quatre domaines de développement, en fait. Donc, voilà. Donc, vous en êtes où? Adélaïde qui dit qu'elle doit travailler le côté relationnel. Alors, chez Jules. La table est cassée. Est-ce qu'elle est récupérable, la table, quand même? Alors, je pense qu'on a perdu Laurence, donc je vais poursuivre déjà, le temps que Laurence… Ah ben Laurent, c'est là. Oui, alors déjà, il identifie, c'est extraordinaire. Ça veut dire que voilà, même si elle n'est pas récupérable, on va prendre une autre table. Donc, merci beaucoup, Gilles Abena, pour ton commentaire. Et puis, André dit que je pense que je dois travailler cette année sur le corps, la tête et le cœur. J'ai du boulot. On t'encourage. Merci beaucoup d'avoir identifié. C'est très, très important. C'est la première étape. Alors, Emmanuel, vos décors sont bizarres. Alors, Emmanuel, nous sommes au Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas les cadres habituels, mais voilà, il fait très chaud. Il est 18h30 ici. C'est ça, on n'a pas la lumière naturelle. Voilà, on n'a pas la lumière naturelle, mais voilà, on a déclenché notre capacité d'adaptation là. Voilà, exactement, exactement. Donc, voilà. Ok. Adélaïde dit que chez moi, le côté sportif chez moi est délaissé depuis fort longtemps. Ok. Alors, c'est quand même important, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression que ces quatre pieds qui sont séparés, mais c'est vraiment quelque chose qui est unifié, c'est la même chaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je délaisse mon corps, je peux avoir des répercussions même au niveau de cognitif, au niveau de ma tête. Pourquoi? Si je vais juste prendre l'exemple du stress, on sait que le stress affecte le corps. Donc, quand je vis du stress durant la journée, ce sont des hormones qui vont être libérées dans mon corps. Et ces hormones-là, si je ne vais pas faire du sport, si je ne prends pas soin de mon corps, bah, ça va se transformer en tension, les tensions musculaires. Je vais avoir des maux de tête. Je vais avoir, donc, le corps sera atteint. Et si j'ai des maux de tête, je vais avoir du mal à me concentrer. Je ne pourrai pas bien faire mon travail. Donc, même le côté cognitif va être atteint. Si je suis stressé, je vais être plus impatient. Donc, si mon corps est chargé, je vais être plus impatient. Si je suis impatient, ça veut dire que mes relations vont être atteintes. Peut-être mon couple va être atteint. Et donc, peut-être même que je serai moins capable de pouvoir aimer. Donc, le côté affectif aussi va être atteint. Ça veut dire qu'il suffit qu'un pied soit en déséquilibre pour que les autres agissent ainsi. Pareil, donc, il y en a qui, à un moment donné, arrêtent de réfléchir. Là, je suis au Cameroun et puis une des réalités que je vois beaucoup sont des bars. Donc, alors, les bars… C'est ouvert tout le temps, tous les jours. On boit. D'ailleurs, il y a mon grand frère qui va rigoler parce qu'il disait que c'est sûr qu'au prochain live, il va parler de il va parler de la vie au Cameroun. Donc, alors, et qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve abrutissant. Donc, on vit dans un environnement où les bars sont là jusqu'à minuit 30, 1h du matin. Tu as du mal. Tout parti confondu. Tu n'arrives pas à réfléchir. Donc, à un moment donné, on dirait que tu n'es même plus capable de raisonner correctement. Alors, et ça, ça vient faire en sorte que tes capacités intellectuelles, dont la capacité de réfléchir, de raisonner, donc est atteinte. Et ça, ça va avoir un impact sur tout le reste. Donc, si je suis pas capable de bien réfléchir, je vais peut-être avoir des problèmes pour discerner, pour faire de prendre des bonnes décisions, de la capacité de réfléchir. Et ça, ça peut avoir des impacts sur d'autres sphères. Donc, voilà, c'est vraiment, tout est relié. D'où l'importance de ne délaisser aucun domaine en se disant, oh, de toute façon, je n'ai pas besoin de ça. Donc voilà. Alors Emmanuel aussi reprend la table cassée et donc je ne sais pas où je suis rendue et où je dois aller, je fais simplement vivre. Alors peut-être que Emmanuel, c'est le moment de reprendre une table et de repartir à zéro, un pas à la fois. Il n'est jamais trop tard. C'est justement pour ça qu'on parle de être intentionnel. Cette année, on est intentionnel et on décide de travailler peut-être en commençant par un ou les quatre à la fois. C'est selon chacun, hein. On ne peut pas vous dire exactement comment vous allez y arriver, mais au moins, c'est déjà bon de le voir et d'être intentionnel pour pouvoir agir.
Ouais. Alors, petit conseil. Bah, premièrement, même si la table est cassée, la table est là. Donc, on ne change pas de table. On a la même table et on va juste. En fait, je vais prendre une autre image. Je vais prendre l'image du muscle. Ça veut dire que quand on parle de pied cassé, ça veut dire que c'est peut-être un muscle qui est atrophié. Je ne l'ai pas assez exercé. Donc, il est comme mort ou il ne joue plus bien son rôle. Alors, toute la question, ça va être parce que les ressources sont là en nous. Hein, enfin, les ressources sont là en nous, les capacités sont là en nous, elles sont dormantes. Peut-être parce qu'on ne savait même pas qu'il faut investir là-dedans ou bien on ne s'est jamais posé la question, peu importe. Mais le fait de recommencer à muscler, c'est là quand vous dites, bon, je prends le cas d'Adélaïde qui disait, ben, moi, le côté sportif, ben, recommencer à faire une marche d'une demi-heure par jour, si possible, ou d'une demi-heure 3 fois par semaine, ben, ça va fortifier le corps et on va prendre goût, ce qui fait que ça permet de développer, de redévelopper notre capacité, en fait, ce qu'on appelle l'empowerment. Donc, redévelopper sa capacité, ton potentiel au niveau des quatre chaises. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que on peut pas travailler sur les quatre pieds en même temps, sinon on est assis par terre. Donc, il faut qu'il y ait quand même quelques pieds. On n'attaque pas tout en même temps. Il y a quand même des choses qui sont fonctionnelles. Ce n'est peut-être pas comme on veut, mais c'est peut-être fonctionnel. On arrive à vivre avec. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui, donc vous arrivez à vivre avec. Donc maintenant, la question, c'est de dire où est-ce que je vais, par quoi est-ce que je veux mettre plus d'accent un peu. Des fois, on peut faire plusieurs en même temps, mais souvent, ça décide quand même qu'il y a quelques-uns qui sont solidifiés. Si par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein. Si ma relation est complètement crashée, c'est pas le moment. Bon, ma relation amoureuse, hein, est crashée, que au niveau de mon entourage, avec ma famille ou avec, je sais pas, dans mes relations sociales, ça va pas du tout. Je vais pas me faire exprès d'aller m'ajouter d'autres problèmes, de dire, ok, je démissionne aussi du travail, comme ça, je vais recommencer à travailler sur le pied de professionnel. Non, 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 on fait pas ça. On essaie de stabiliser quand même la chaise, de façon à pouvoir travailler sur une des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour accompagner, pour qu'on aille. Ce que je vois souvent là, lorsque je regarde les gens qui font le bâtiment, souvent ils te disent, ah, tel côté du mur, on ne peut pas y toucher maintenant, mais on va le fortifier, de façon à ce qu'il tienne le temps qu'on travaille sur telle autre chose. Donc, c'est vraiment un peu ça aussi, la même image qu'on peut utiliser, c'est qu'on éteint les feux et ensuite on regarde où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on investit, de façon à pouvoir tranquillement réussir à redresser les quatre pieds de la chaise ou de la table. Moi je reviens un peu sur on ne peut pas travailler sur les quatre pieds à la fois. Moi j'avais une vision qu'on pouvait le faire, genre maintenir, je ne sais pas. Donc, par exemple, je prends les quatre pieds. Si je travaille sur le plan peut-être cognitif, ça voudrait dire que je délaisse les autres. Ok, je comprends mieux la question. Ok, OK. je vais éclaircir. En fait, normalement, les quatre pieds doivent évoluer de façon, comment je peux dire ça, égale. Voilà. Donc, ça veut dire que en temps normal, on travaille sur les quatre pieds, c'est-à-dire qu'on grandit. Hein. Donc, quand je grandis, mon corps grandit. Et avec mon corps, donc, je me rends compte que, ok, je suis un homme, je suis pubère, les poils commencent à pousser, donc j'ai des érections, peu importe. Ou voilà. Et ça va changer même le regard que j'ai par rapport aux filles. Ça va changer. Donc, du coup, tout évolue en même temps. Par contre, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des domaines qui sont problématiques, et c'est là où je vais préciser, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on ne peut pas lancer des gros chantiers sur tous les quatre pieds, c'est ce que je veux dire. Donc, si je sens qu'il y a un gros chantier à lancer, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de privilégier un des aspects, de travailler dessus et les autres choses de le faire. Mais une fois qu'on a travaillé et qu'on a posé les piliers, ben les quatre grandissent ensemble. Et généralement, lorsque les gens viennent nous voir en consultation, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une évaluation. Donc, on regarde un peu où est-ce qu'ils en sont. Et après, on fait ce qu'on appelle un plan d'intervention. Le plan d'intervention, ça veut dire quoi? Quels sont les objectifs sur lesquels on va travailler? On ne va pas mettre 50 objectifs là où 10 en même temps. Et puis, quels sont les objectifs prioritaires? Vous voyez? Donc, ça veut dire, et le reste, on met des trucs pour que ça évolue quand même. Donc, c'est un peu ça. Voilà, oui. Alors, Adélaïde, je vois tes questions, c'est les miennes aussi, donc ne t'inquiète pas, on arrive. Mais avant d'y arriver, c'est finalement, une fois qu'on a identifié ces différents aspects, qu'est-ce qu'on investit? Qu'est-ce qu'on investit? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on investit généralement? Qu'est-ce qu'on investit? Moi, je regarde. Je vais vous poser la question. Hein, c'est quoi le type d'investissement qu'on peut faire? Moi, je vous retourne la question. Je suis sûr que vous savez déjà ou vous avez déjà une intuition de quels sont les types d'investissements qu'on peut faire en fonction des pieds de la chaise. Donc, je n'investis pas la même chose selon le fait que je travaille sur
le cœur, sur la tête, sur les relations, sur donc. Mais il y a aussi des choses. Oui, vas-y, vas-y, pardon. Là, j'étais en train de réfléchir pour moi-même. Je veux finir mon exercice après ce live. Donc, moi-même, j'apprends. Hein. Quand on parle des relations, c'est vrai que moi, au Cameroun, il n'y a pas de lockdown. Donc, du point de vue relationnel, ça marche très bien ici. Mais Yannick, quelqu'un qui dit, par exemple, que moi, cette année, j'aimerais investir sur mes relations. Et là, tout le monde est confiné, tout le monde est en ligne. C'est peut-être un peu plus difficile. Donc, lui, on pourrait dire qu'il n'a pas la réponse à sa question ou bien il y aurait quand même des choses à faire. Bah, je pense que c'est impossible de dire, enfin, c'est impossible. Il y a des gens qui sont vraiment dans une situation d'isolement total. Et quand je parle d'isolement, on parle de contact, même pas par téléphone ou par virtuel, ils sont vraiment isolés. Donc, ça, ce sont des cas quand même assez particuliers et assez rares. Donc, généralement, les gens ont quand même un certain réseau qu'ils entretiennent, soit par des visios, soit par téléphone, soit par Facebook, même Facebook, hein, on est connecté, même s'il y a un contact. Voilà. Mm-hmm. Alors, quand on parle d'investir, on peut toujours avoir l'impression que investir, ça veut dire ajouter. Ça ne veut pas dire nécessairement que je dois ajouter de nouveaux amis, que je dois ajouter de nouvelles personnes, mais ça veut dire que je vais travailler sur mes relations de façon à pouvoir avoir la qualité. Donc, alors je me pose la question, mes relations sont des relations de qualité? C'est quelles relations qui m'intoxiquent, des genres de relations où quand je discute avec la personne, je reviens, ça m'épuise, je suis à terre, ça vient me chercher. C'est quoi les relations qui font en sorte que je vais m'énerver tout le temps, des relations qui me tirent en arrière, vous voyez? Dans ce premier tri, déjà, c'est déjà investir dans les relations, faire un premier tri. Ce que je dis souvent, c'est de faire la cartographie de ces relations. C'est quoi les relations qui vous apportent du positif et c'est quoi les relations qui vous apportent du négatif? Et parfois, c'est pas tranché au couteau, hein. C'est-à-dire que pour certains domaines, la même relation peut être positive à certains égards et négative à d'autres égards. Donc, juste faire cette espèce de balayage permet de pouvoir. C'est une piste. L'autre piste, c'est de savoir est-ce que je suis capable de bien gérer mes relations. Et là, on parlait des limites. Donc, quelqu'un qui il me demande la main, je lui donne la main, il prend le bras. Est-ce que je suis capable de travailler sur moi pour mettre de bonnes limites? Est-ce que je suis capable de travailler sur moi pour dire des oui? Est-ce que je suis capable de travailler sur moi pour dire des non? Ici, moi, je m'arrête là. Est-ce que je suis capable donc de travailler aussi pour ne pas vivre des dépendances affectives? Donc, je suis dans des relations où je ne suis pas vraiment libre, mais je suis dans une espèce de dépendance. Je suis dans une relation, par exemple, qui est de violence. Que je n'arrive pas à arrêter. Je suis dans une relation où, donc, vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait travailler juste avec ce qu'on a déjà. Donc, ce n'est pas de créer d'autres choses, mais c'est vraiment de se pencher, de regarder l'intérieur pour voir à quel point est-ce que ce truc me sert réellement et sert réellement, ou alors c'est la façade. C'est un peu ça, ça répond un peu. Très bien. Donc là, tu parles vraiment qu'est-ce qu'on investit. Là, on a parlé des relations. Si on parlait, par exemple, du corps, qu'est-ce que tu dirais? Bah, si on parle du corps, on pense souvent à l'alimentation. Hein, donc, on va penser à l'alimentation. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je mange équilibré? Bon, on a pensé luxe là dans tous les pays. Des fois aussi, on connaît notre corps, mais est-ce que je fais du, tout à l'heure, on parlait de sport. Est-ce que je fais du sport, de sport pour entretenir mon corps? Est-ce que je prends soin de mon corps de toute façon? Parce que quand je sors, les gens me regardent, ils disent waouh, les têtes se tournent. Vous voyez, parce que le corps, c'est ça, c'est une ressource que nous avons. Donc, est-ce que je prends, là, je vois, tu es bien maquillée, tu es si, je vois souvent Rosita qui travaille avec nous, elle a toujours de bonnes petites coupes de veste. Donc, est-ce que je peux on essaye nous-mêmes de mettre en pratique notre travail, tu vois, qu'on vit, on essaye de le vivre au quotidien. Voilà, est-ce que je me valorise dans mon corps? Est-ce que mon corps a de la valeur? Et quand on parle souvent de questions d'estime de soi, l'estime de soi ne commence pas nécessairement à une tête, comment je peux dire, c'est un cœur où je me dis, oui, c'est bon, je me suis filmé. Mais non, même mon corps. Donc, est-ce que je valorise mon corps, je prends soin, et c'est pas une question de moyens, c'est une question d'attention à ce corps-là. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Donc, si j'ai délaissé le sport, qu'est-ce que je peux faire pour trouver un équilibre? C'est toujours difficile, hein, de prendre une habitude, ça prend du temps. Donc, ça prend, je pense, au moins entre 30 jours et 90 jours pour créer une nouvelle habitude saine. Mais les habitudes saines se perdent très rapidement. Donc, voilà, pour moi, si c'était le corps, ce serait à peu près ça.
que moi, je dirais. Alors, je veux aussi confirmer, hein, les habitudes saines se perdent très rapidement. Quand j'ai recommencé la marche, je marchais 10 minutes. 10 minutes, j'avais des fourmillements, mais aujourd'hui, ouais, je suis capable de marcher 3 heures. Je marche même 4 heures des fois, mais par contre, je vais rentrer en bus, je vais rentrer en métro, mais j'arrive très facilement. Je pars à midi, je pars à 8 heures et je rentre à midi. Mais ça fait tellement du bien, mais je me rappelle très bien quand j'ai commencé. C'est t'as tellement des fourmillements que tu te dis non, je vais mourir. Il faut que je rentre tout de suite. Et ça, c'est ce qui arrive même au niveau relationnel. C'est-à-dire que moins on a exercé, moins on a envie de s'exposer. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai du mal à gérer mes émotions, j'aurais moins tendance à vouloir m'exposer à des occasions qui vont me générer certaines émotions. Et donc, peut-être que je peux me rater des opportunités. Parce que si on me dit… Parce qu'on est dans la fuite, là. Voilà, on est dans la fuite. Si on me dit, il y a tel poste que tu pourrais occuper, je vais dire, oh, non, trop de maux de tête, moi, je ne veux pas ça. Donc, ça peut être une décision libre, éclairée que je prends, mais ça peut aussi être une fuite. C'est m'engager dans une relation avec une fille, un gars, je vais dire, non, franchement, la dernière fois, là, j'ai eu les maux de tête, donc je ne veux pas, je veux pas aller là-dedans. Donc, c'est vraiment une façon où, c'est ça, si je n'investis pas sur moi, je peux me retrouver dans la fuite, en fait. Alors, Emmanuel qui dit, je crois que nous devons profiter de ces moments de nos vies pour revoir combien la vitesse, hein, nous avons bousculé nos vies. Bien sûr, pour ceux qui ont un certain âge. Tu parles de l'âge, Emmanuel. Aussi, pour moi, c'est un meilleur moyen. J'imagine dans le passé, quand on écrivait et l'apôtre ou le chauffeur du village servait de courroie entre les hommes. Donc, j'ai peut-être lu, il a peut-être fait un commentaire quand tu parlais, moi j'étais côté, donc j'ai peut-être pas suivi le film, mais merci beaucoup Emmanuel pour tes commentaires. Donc, on revient donc à cette question que Adélaïde posait, hein. Merci beaucoup Yannick, pour c'est très très clair ce que tu dis, et moi je sais que je comprends mieux pourquoi investir sur moi. Donc, c'est comment donc faire? Comment on investit sur soi concrètement? Bon. La première des choses qui est un frein à l'investissement, bah, premièrement, il faut être conscient, il faut désirer investir. Je rencontre plein de personnes qui disent, quand on parle justement de tout ce qui est bien-être psychologique, on met souvent ça en arrière-plan. Les gens disent, oh, j'ai pas besoin, je ne suis pas malade. Je gère. Ça, c'est le mot que j'entends une fois par jour. Je gère. Ouais. On entend beaucoup au Cameroun, on gère, on est au calme, on gère. Pas juste au Cameroun, même au Canada, je l'entends, je gère. Et encore plus chez les hommes, c'est-à-dire que nous sommes tellement habitués à gérer, même quand ça nous dépasse, même quand on ne gère pas, on dit qu'on gère. Alors, donc ça, c'est la première des choses. Savoir reconnaître qu'il y a des endroits qui sont difficiles pour moi à gérer, c'est la première des choses. Et que j'ai besoin d'investir là-dedans. Alors, évidemment, c'est sûr que si j'ai... Quand on parle d'investissement, on a des ressources limitées. Hein, donc, je n'ai pas le compte bancaire de Bill Gates ou de je ne sais pas trop qui. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve toujours dans une situation où les ressources sont limitées et il faut les investir. Mais si je pense qu'il y a tel point qui est vraiment important pour moi, je pense par exemple que j'ai du mal dans mes relations ou j'ai du mal dans mes relations avec mes collègues dans mon travail et que ce serait bien que j'aille développer des aptitudes d'habileté sociale, que j'aille développer des aptitudes pour parler en public, que j'aille développer des aptitudes pour gérer mes émotions parce que ça va être bon pour mon couple, que j'aille développer mes aptitudes pour être un bon parent, bah, ça veut dire qu'il faut que je me dise que c'est assez important pour que j'aille chercher les ressources dont j'ai besoin. Alors, les ressources, c'est quoi? Ça peut être des lectures. Alors, il y a des lectures qui sont disponibles en ligne. On n'est plus à l'ère avant Internet, là, souvent, j'appelle Google la mère des ignorants. Donc, et moi, en premier. Donc, j'ai besoin de quelque chose, même d'un article scientifique. Je vais aller regarder, je lis et tout ça. Donc, premièrement, aller chercher l'information. Donc, deuxièmement, une fois que on a l'information, des fois, l'information de base est disponible sur Internet. Mais quand on veut pousser plus loin, quand on veut être capable de développer des choses, d'adapter à soi, des fois, il faut payer. Donc, on arrive à la question financière. Donc, est-ce que je suis capable, par exemple, de me payer un accompagnement? Là, la dernière fois, on parlait de la recherche identitaire. Est-ce que je dis que pour moi, c'est important cette année de commencer à travailler, à trouver ma voie? Et là, je vais rencontrer quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner là-dedans et je veux mettre tel montant. Alors, et des fois, les gens pensent que, bon, parce qu'on dit par exemple que la consultation, c'est tel montant, ben, il y a des professionnels qui sont souvent ouverts. Hein, tu dis, ben, moi, j'aimerais
faire ça, je n'ai pas ces moyens, mais voilà les moyens que j'ai. Bah, des fois, il y a des professionnels qui acceptent. Des fois même, on a des assurances qui permettent de couvrir. Mais juste parce qu'on ne sait pas, on n'est pas intéressé, ces assurances-là dorment et ne servent jamais, alors que ça peut nous servir, même lorsqu'on a pas de problème, mais qu'on décide d'investir pour grandir. Donc, ça, c'est la première chose. Mais même avant d'arriver aux finances, il y a la question de temps. Ça, c'est la question qui tue pour tout le monde. Tout le monde, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alors, ou bien on remet à plus tard. On remet à plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est la vie qui finit par décider pour nous. Ce sont les événements qui finissent par décider pour nous. C'est le temps qui finit par décider pour nous. Donc, on devient un peu comme, comment je peux dire ça, on devient un peu comme passif. Et certains choix se font malgré nous et on gère parce qu'il faut gérer. Et on est plus proactif. Et ça, c'est important, la question de proactivité. Et la question de proactivité demande du temps. Ça veut dire j'accepte de dégager du temps pour telle chose parce que c'est important. Je veux suivre, je ne sais pas moi, un cours pour pouvoir améliorer tel aspect de ma vie. C'est une soirée par semaine que je vais bloquer. C'est important pour moi, je vais la bloquer. On est habitué quand même à faire ça. Mais je pense que pour le hic vient souvent parce qu'on pense que pour certaines choses donc financières, on va avoir tendance à le faire au professionnel. Mais pour des choses qui sont un peu plus de l'ordre du bien-être, de notre bien-être psychologique, notre bien-être personnel, on a tendance à délaisser ça. On se dit, bon, c'est pas important. On a tendance à... C'est comme une espèce de martyr inconscient. Une espèce de martyr inconscient. Ou alors, finalement, quand on va vouloir se gâter, ben, on va courir du côté matériel. Ah, il faut que je m'achète ci, il faut que je m'achète la belle paire de chaussures, que je m'achète ci. Mais la paire de chaussures va dans un pied qui porte un cœur qui n'est pas en paix. Alors, même avec la paire de chaussures à 200 000 dollars, le cœur n'est pas en paix, le pied marche mal. Donc, c'est ça. Ou la perruque porte, la perruque est sur une tête qui est pleine. le feu sort, la fumée sort. C'est ça. C'est vraiment ça. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit bien, qu'on se sente bien en nous-mêmes. La définition du bonheur, en fait, qu'on se sente bien. Et pour être bien, il faut commencer vraiment par travailler sur soi, pour parler, chercher ce qui nous dérange. Et investir du temps là-dessus. S'il faut investir de l'argent, je vais investir de l'argent. Ça sert à. J'investis de l'argent dans tellement d'autres choses que l'essentiel, il faut que je sois capable aussi de dire, bah, je vais investir là-dessus aussi. Et j'ai quand même aussi constaté que c'est une mentalité qu'on n'a pas chez les francophones. Chez les anglophones, ils ont toute une autre mentalité. Je ne sais pas, toi, tu es plus du côté anglophone, tu pourras me corriger, peut-être que ceux qui sont là aussi. Mais les anglophones ont cet esprit d'investir en eux. Pour toujours aller plus loin dans tous les mouvements de développement personnel, de coaching et compagnie. Et moi, je l'ai vraiment appris en Ontario. Donc, j'ai commencé à investir parce que j'ai vu. C'est normal pour les gens. Tu te dis, j'ai acheté tel livre, j'étais à telle conférence. Et moi, finalement, quand je regardais mes sous, c'était toujours pour voyager un peu, acheter un sac pendant les soldes. Et puis, pour pouvoir, dans mes relations, pour pouvoir aussi dire quelque chose, j'ai commencé à investir pour dire, ah oui, j'ai suivi la conférence d'un tel. Mais au-delà de dire à tout le monde que j'ai suivi la conférence d'un tel, je me suis rendu compte que j'avais vraiment appris. Et puis, voilà, que je ne suis plus la même, quoi. Donc, du coup, c'est devenu une habitude chez moi. Ouais. Bon, complètement. Et j'aime la vraie liberté, en fait. C'est vraiment cette liberté lorsque on est arrivé à un équilibre intérieur où on se sent bien, qui permet qu'on peut faire des choix en fonction, comment je peux dire, du sens qu'on veut donner à notre vie. Donc, je ne fais plus le choix de telle chose parce que je veux plaire. Je ne fais plus le choix de telle chose parce que, je ne sais pas moi, il faut absolument que j'ai ça. Je ne fais plus le choix de telle chose parce que je n'ai pas le choix. Des fois, on a des faux choix, hein. Mais c'est parce que je me sens assez bien, je me sens assez libre pour dire que cet emploi de 150 000 dollars, là, je ne veux pas. Je vais prendre un emploi de 50 000 dollars, mais avec 50 000 dollars, je sais que là-dedans, je vais pouvoir développer telle et telle et telle et telle et telle chose. Alors, ça peut paraître, ça peut sonner utopiste, mais la réalité, c'est que si on regarde au niveau de l'échelle du bonheur, là, il y en a qui ont travaillé dessus, hein. L'argent n'est pas le premier facteur. On regarde même par rapport à l'engagement au travail, il y a des études qui sont faites, vous pouvez regarder sur internet, on se rend compte que l'engagement au travail pour ceux qui ont des employés, qui ont des entreprises, l'argent n'est pas le premier moteur. Et même chez ceux qui l'argent est le premier moteur, ce n'est pas l'argent en lui-même, c'est ce à quoi l'argent va servir. Donc ça sera pouvoir payer des vacances à mes enfants, pouvoir payer ceci. Donc ça veut dire que la personne humaine a besoin de vitamines autres que l'aspect financier. Alors, l'aspect financier doit reprendre sa place, qui est un moyen d'aller chercher ce dont j'ai besoin pour être heureux.
Alors, merci beaucoup Yannick. Donc, on parle vraiment d'être intentionnel et de faire des choix en fonction de ce qui nous ressemble, en fonction de ce qu'on veut. Et j'espère que vous continuez de réfléchir, hein, que vous continuez de vous poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire cette année et surtout comment je vais le faire. Alors, nous, on voulait vraiment prendre ce côté de l'affectivité. On aura tout un mois sur les questions affectives et de vous proposer aussi le matériel que MyLumen a pour vous. Donc, est-ce que tu veux revenir sur ça, Yannick? C'est vrai que du côté du corps aussi, on a des séances d'Afrobeat. Oui. En fait, on a toute une panoplie de propositions, hein, pour vous, de choses que nous faisons. Donc, évidemment, pour certains d'entre vous, le savent. Enfin, certains, la majorité d'entre vous savent que nous faisons de l'accompagnement dans différentes sphères. Hein, donc, de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement au niveau des enjeux d'adaptation. J'ai du mal à m'adapter. De l'accompagnement au niveau des couples, au niveau des familles, au niveau des enfants, au niveau personnel par rapport à les questions identitaires. De l'accompagnement par rapport Ah, je sais pas, en tout cas, bref, on accompagne la personne humaine. Et ce n'est pas de l'improvisation. Là, bon, les coachs qui sont là vont un peu m'excuser, mais des fois, je vais lancer un petit pic. Il faut vous assurer que vous êtes accompagné par quelqu'un qui a quand même des qualifications, qui est qualifié. Et si c'est un coach, assurez-vous qu'il a une certification qui est bonne. Et là, vous pourrez voir dans notre équipe, on va vous lancer une vidéo là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou dans les prochains jours, et vous allez pouvoir voir en fait les différentes expertises qu'on a. Donc, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Donc, Laurence est en train de faire un doctorat, j'en ai fait, il y a des gens dans l'équipe qui ont des maîtrises, qui ont étudié la personne humaine et qui ont de l'expertise dans l'accompagnement des personnes. Donc, quelqu'un qui s'improvise et qui n'a pas les capacités, qui n'a pas les études qu'il faut, peut vous noyer. Alors, moi, je vais dire ça comme ça. La personne peut vraiment vous noyer. Alors, c'est important. Au niveau, ça, c'est au niveau de l'accompagnement. On a des cours qui sont des cours digitaux qui sont là, qui sont accessibles. Donc, pour les parents, on a le cours Art d'être parent à Dieu. On est en train de préparer un cours sur les parents immigrants. Il y a des cours digitaux aussi qui vont être sur le stress, sur la gestion des émotions, qui sont des cours que vous pouvez payer et suivre de façon autonome. Vous pouvez regarder ça quand vous voulez, comme vous voulez. Il y a des exercices personnels que vous pouvez faire avec ça. Il y a aussi des webinaires qu'on va organiser cette année. Donc, on va lancer aussi des groupes d'accompagnement spécifiques sur des sujets spécifiques. Donc, s'il y a un sujet spécifique, par exemple, que vous voulez développer, vous allez voir si le webinaire vous intéresse. Vous pourrez vous inscrire sur ce webinaire. Il y a effectivement tous ces lives que nous faisons déjà à longueur d'année, hein, qui sont déjà une plateforme de pouvoir vous sensibiliser peut-être sur des choses que vous ne saviez même pas que c'est important de pouvoir investir là-dessus. Donc ça, là, cette année, on a vraiment défini quatre grands domaines sur lesquels on va travailler. Donc de mémoire, il y a la jeunesse, on va vraiment aborder les thématiques jeunesse. Les jeunes nous ont dit qu'ils ont été les grands oubliés de 2020, donc on vous a écouté, on parle avec vous. Et on a d'ailleurs un jeune qui va animer, donc voilà, restez à l'écoute. On a une thématique par rapport à tout ce qui est couple. Donc on va parler aussi des couples mixtes, hein, donc des couples qui viennent des différents horizons et qui se rencontrent et puis les enfants. En culture. Donc on va parler des thématiques professionnelles. Et puis le quatrième m'échappe là, mais bref, on va vous mettre tout ça là sur, vous aurez tout ça là sur les réseaux, donc suivez-nous. On envoie aussi des infolettres, donc vous pouvez nous envoyer votre courriel si vous voulez être inscrit à l'infolettre. Donc voilà en gros un peu la panoplie de choses que nous proposons. Et effectivement, comme Laurence l'indiquait, on ne s'occupe pas seulement du cœur. On s'occupe aussi de la tête, donc pour que vous ayez les connaissances qu'il faut pour ça. On vous aide à travailler votre cœur. On s'occupe au niveau des relationnels aussi, on travaille là-dessus. Et on travaille aussi sur le corps. Donc, on a un cours d'Afrobeat, donc de Zumba là, tous les jeudis, auquel vous pouvez vous inscrire. Et avec une prof géniale qui est experte en marketing à la base, mais qui a développé vraiment cette passion de l'Afrobeat. Et donc voilà, donc vous pouvez une fois par semaine comme ça là venir danser avec nous, avec d'autres parents, d'autres jeunes, d'autres personnes, et dans la bonne ambiance, dans la simplicité vraiment. Donc, et tout ça c'est par Zoom. Donc, ne me dites pas, je me trouve à Paris, comment je fais? On est en ligne maintenant de toutes les façons, donc tout ça c'est par Zoom. Donc on profite pour Voilà. dire un gros bonjour à Marlène. Oui. Marlène, oui, Marlene, donc bonjour à Marlene, Marilyn, Marlene. c'est ça. Oui. Donc, bonjour Marilyn, et puis voilà, un gros coucou à toi.
Donc, voilà, la balle est dans votre camp 2021. Vous avez la capacité de pouvoir investir sur vous. Vous avez la capacité de pouvoir travailler sur votre chaise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir d'autres informations, si vous voulez vraiment travailler avec nous sur un pied particulier. On est là pour vous. On est là pour vous accompagner. On est là pour que vous ayez un équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, je voulais juste terminer en répondant à la question d'Adélaïde. D'Adélaïde, c'est quoi? Et les personnes du troisième âge doivent investir sur quoi? Alors, premièrement, les personnes du troisième âge, c'est-à-dire chaque personne se connaît, hein, donc on ne peut pas, il n'y a pas de généralité, on ne va pas dire, voilà, il faut investir sur telle ou telle chose, mais d'expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, on discutait avec une maman, une... Alors, on parlait de... Oui, je pense que... OK, c'est Yannick qui est parti. Hein, donc, voilà, tout à l'heure, c'était mon tour. Maintenant, c'est lui. Alors là, il voulait raconter une histoire sur la maman avec qui il discutait. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va peut-être attendre encore quelques secondes pour qu'il réponde à ta question, Adélaïde. Sinon, je pense qu'il le fera dans le chat. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir osé faire cet exercice, c'est vraiment le premier pas dans la prévention, hein, c'est de voir, c'est d'identifier. Parce qu'avant d'agir, il faut véritablement identifier. Donc Yannick a probablement eu un problème de connexion, le temps qu'il se reconnecte, moi je vais devoir conclure parce qu'il est l'heure. Donc, sûr pour sûr, il te répondra dans le chat, Adélaïde, et pour tous ceux qui veulent savoir la réponse, voilà, je vais vous inviter à revenir lire les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Ici, c'est déjà le soir, donc une excellente soirée à tous ceux qui sont au Cameroun. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau thème. Je vous embrasse très fort et je vous dis bonne semaine. Allez, au revoir. Bye bye.